dans la tête de l'autre, là. Tu sors pas l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin. On veut dire. Nathalie. Madame Termotte. Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu sors pas François Pirette. J'ai vu le docteur cette semaine-ci. Je vais mourir. Ouais. Je vais mourir. Vous aussi, je veux dire. Ne me regardez pas, moi. Vous aussi, ça va vous. Je ne vous souhaite pas le mal, ça se trouve, ça va vous arriver avant moi. Ah ouais. Je lui ai dit alors, docteur, je vais mourir. Il me dit non, menteur. Commerçant. Il range son stéthoscope, il me dit avec la santé que vous avez, oh, ben j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes encore ici pour 20 ans. Il dit, tu parles d'une bonne nouvelle, on voit bien que c'est pas lui qui paye. Hein. Je vais mourir. Par toute façon, je peux mourir. Hein. Tout est prêt. J'ai tout prévu. J'ai fait mon testament. Quand je vais mourir, le notaire doit appeler l'infirmière parce que dans mon testament, je lui révèle qu'en fait, j'étais son papa. Non, c'est pas vrai, mais c'est une blague. Rien que pour l'embêter après pendant des années. Je suis exécrable. Oh, tellement qu'elle m'en a fait voir. Plus que je vieillis, plus que je suis exécrable avec les gens avec qui j'étais gentil. C'est parce que je les aime bien. Que je me suis rendu compte que si jamais je suis gentil avec tout le monde jusqu'au bout, quand je vais mourir, ou avoir du chagrin, j'ai pas envie de leur faire de la peine. Donc j'ai décidé à partir de maintenant d'être exécrable avec tout le monde par gentillesse. Et c'est pas plus mal, hein. Enfin. Infirmière, qu'est-ce qu'elle m'embête. Encore la semaine passée, elle veut absolument savoir si je meurs, si je vais me faire incinérer. Oh, ça ne vous regarde pas. Hein. De toute façon, vous êtes en train de me faire mourir à petit feu. Donc, servira à rien. Nous, elle veut le savoir, c'est pour le secrétariat, c'est pour savoir s'il y a encore de la place sur la cheminée, au réfectoire. Oui, parce qu'ici, on se fait tous incinérer. C'est pas compliqué, parce qu'on n'a plus beaucoup de famille. Mais après, on revient à tous, on nous met sur la cheminée, dans des petits pots comme c'est beau. Oh, c'est beau, on a tous des petits pots comme ça, en cuivre, en inoxydable, c'est beau, en argent, c'est bien. Quand on ne le sait pas, on a l'impression d'être dans le living d'un champion de kicker. Avec les belles coupes, avec les couvercles, sauf la dernière. La dernière, on n'a pas pu mettre le couvercle. Rosa, qu'elle s'appelait, cette femme-là, Rosa. On n'a pas pu mettre le couvercle parce qu'elle avait une broche dans sa jambe, ainsi. Donc elle dépasse. C'est comme, on dirait qu'on est revenu avec le tisonnier. Enfin. Bon, l'incinération, c'est encore la meilleure solution, sauf que ça dure longtemps. Hein. Des heures, hein. Mon Dieu, que ça dure longtemps. Hein. Oh là 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 là. Mais on a trouvé un truc, nous autres, ici, pour que ça aille plus vite, parce que... Pff. On a fait un petit comité, on est des bénévoles, on s'est porté volontaire pour être veilleur. Quand il y a un mort chez nous autres, on est 4-5 à se relayer, on va veiller le mort pendant la nuit, à plusieurs, comme ça, de toute façon, avec ce qu'on passe à la télévision pour le moment, on ne peut pas s'embêter plus que ça. Hein. Oui, alors on a trouvé le truc maintenant pour accélérer à l'incinération. Ouais. Avant qu'on ferme le cercueil la dernière nuit, dans le cercueil, on cache des zips. C'est pour allumer les barbecues, là. On met des cubes, hein, c'est partout, hein. Si je peux te dire que ça a du rendement. Hein. Ah,
Ah oui, oh, et alors ça concourt, hein, au fait de Paris où on essaye de battre des records. La semaine passée, c'est moi qui a gagné, mais j'avais rajouté 2 bouteilles de méthanol pour les fondus bourguignol. Ah oui, micro-ondes, hein. 14 minutes, ça t'a fait. Hein. On fait des blagues, on aime bien faire des blagues, il ne nous reste plus que ça. Une fois, on avait même mis des pétards. On avait mis, oh, on avait bien acheté pour 1000 francs de pétards qu'on avait mis dans le cercueil après 5 minutes dans le machin, c'était 14 juillet. Ah, qu'est-ce qu'on a rigolé, on a eu le plaisir du diable. Et gaillard, oh, ça, on aime bien faire des blagues. Une fois, d'amour, oh, non, ça, on ne devrait plus faire quand même. Là, on avait fait fort. La dernière nuit, avant de fermer le cercueil, cet homme-là, je ne sais plus comment il s'appelait, sous sa couverture capitonnée, on l'avait enrobé dans une couverture en amiante. L'incinération, 4 jours. On restait là 4 jours. Moi, ça ne m'embête pas, les sandwichs sont quand même meilleurs au crématorium qu'au malheur. 4 jours. Ah, les blagues qu'on a déjà... Ah oui, ça me revient maintenant. Il y avait une grosse catamelle, elle était grosse. On avait dit, elle va faire des sortes, celle-là. Oh, on va en avoir des sortes. Par contre, on a eu le dernier jour avant de fermer. On avait été chercher les bacs à cendres, des poêles au charbon du concierge. On avait tout mis en dessous. Ça, des sortes, là, on a fait. Hein. Elle a eu une urne ainsi. Ainsi, avec deux os. Ainsi. C'est sur la cheminée. On dirait que le homme a gagné le tournoi des 5 nations. Les blagues qu'on a déjà fait. Et gaillard, une fois je me souviens. Celui qui était dans la boîte, on l'avait ressorti, on l'avait mis à ma place dans le fauteuil. Et moi j'avais été dans la... Quand l'infirmière est rentrée, je me suis relevé. Cette femme-là, je l'ai revue dernièrement, ça va mieux, il y a ses cheveux qui repoussent. Mais... Enfin. Mais je le sens bien que je vais mourir. Je le sens bien. Incinération, je ne sais pas, je n'ai pas encore choisi. Il faut dire qu'ici, s'ils se font tous incinérer, c'est parce que c'est un homme socialiste. Un socialiste, ils se font tous incinérer, et comme ça qu'ils soient encore plus ou moins sûrs de remplir une urne. Enfin. Ou alors j'ai eu une idée, peut-être que je vais me faire incinérer et après je donnerai mon corps à la science. Pour la recherche sur les grands brûlés, hein. Ou sur les aspirateurs, je ne sais pas, ils choisiront. Enfin, je vais mourir. Je le sens bien que je vais mourir. Ça ne me dérange pas, c'est agréable comme sensation. Je me permets tout. Ah oui, comme je sais que je ne vais plus vivre longtemps, oh, je me permets tout, il ne peut plus rien m'arriver. Je me fais des choses que je n'avais jamais fait avant. Hier, j'ai bu un Red Bull. Et la semaine passée, j'ai tutoyé le docteur. Ouais, je me permets tout. Ah, ben. Maintenant, je prends du Viagra. Ouais, je le sens, je sens la différence. Hein. Quand je vais pisser, je n'en mets plus sur la planche. Le docteur, il m'a dit, faites attention, ne faites quand même pas trop de bêtises, hein, parce que vous allez peut-être encore vivre longtemps. Je dis, non, hein, ça va, hein. Pas de mauvaises nouvelles, hein. Hé, hey, chacun son tour, à moi maintenant, hein. Démarre de voir passer tous les autres avant moi. Chacun son tour, hein. Je lui ai dit au docteur, ça ne me dérange pas de vivre longtemps si je n'avais pas tant de problèmes avec ma mémoire. Il me dit, mais vous avez une excellente mémoire. Vous n'avez pas de problème de ce côté-là. Je dis, mais justement, c'est ça le problème. Je me souviens trop. Je me souviens tout. Et surtout, je me souviens de tout le monde. Ce n'est pas court, le docteur. Il est jeune, lui. Ça sert à quoi de vivre longtemps si c'est pour voir ceux qu'on aime bien partir avant soi et rester tout seul. Alors moi, j'ai dit... À mon tour, hein, maintenant, ça va, hein, j'ai donné. Hein. C'est à moi de partir, hein, maintenant. Je m'ennuie. Faut me laisser aller. J'ai eu tout ce que je voulais. Est-ce que je peux avoir de plus?
et plus rien à demander. Ah si. C'est bien que vous m'avez déjà donné beaucoup. C'est peut-être un convenant de vous en demander encore, mais je vais vous demander une faveur. Quand je vais mourir, je serai peut-être dans l'église en train de voir mon enterrement. Alors, faut pas pleurer, sinon ça va me faire du mal. Hein? Pensez à moi. Hein? Une faveur. Rien qu'une. Quand je vais mourir, faut me le promettre. Faut pas pleurer. Hein? Faut rire. Quand je vais mourir, faudra rire. Hein? C'est promis. Hein? Il va falloir rire. Hein?